Bonjour à tous, vous êtes bien sur Amazing Mac TV, une rapide vidéo pour vous parler d'iOS 12.2 en bêta 6 qui est disponible en bêta développeur et en bêta public. Une vidéo rapide puisqu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Au niveau du bench, on récupère les points qu'on avait perdus avec la bêta 4 et la bêta 5 et on va tout de suite commencer par une nouveauté qui concerne Siri. Alors si vous voulez activer Siri sur votre iPhone, vous le savez, il faut aller dans les réglages, Siri et recherche et activer Siri. Et on avait quelques phrases à dire, or là les phrases ont changé, vous avez des phrases un petit peu plus pointues à dire. Sachez quand même que si vous avez déjà activé Siri, il n'y aura pas besoin de refaire la manipulation, tout est déjà enregistré. Et tant qu'on est dans Siri, une nouvelle fonction mais qui est uniquement disponible aux États-Unis, on va pouvoir demander à Siri quelle est la qualité de l'air de là où on se trouve. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas en France? Tout simplement parce que les données météorologiques ne sont pas mises à jour. Et vous rappelez, cette fonction d'indice de l'air était apparue lors des premières bêtas d'iOS 12.2, mais pas disponible en France. Attention, place au lourd maintenant, lorsque vous êtes dans temps d'écran et que vous allez actualiser le temps d'écran du jour, regardez ce qui se passe, une animation, c'est vraiment génial. Et on termine cette vidéo par la nouveauté la plus intéressante de cette bêta 6, pour moi c'est dans réglages informations et on va pouvoir voir où en est la garantie de votre téléphone ou de votre iPad, tout simplement en allant dans la partie garantie et là vous savez jusqu'à quelle date votre téléphone ou iPad est garanti. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, moi je vous dis à bientôt.